الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدي أولين والأخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers abonnés chers membres de notre grande famille de plus de 23 000 abonnés vraiment nous vous disons merci. Nous vous disons merci d'être toujours là à nos côtés, de nous soutenir dans l'effort que nous faisons chaque jour pour nos frères musulmans. Alors aujourd'hui, nous sortons avec un nouveau secret, très très efficace pour le retour d'affection, comme nous avons partagé un secret hier de Ahamu Sakaku Allahu Yasu. Ça est un secret de Allahu Somadou. Ya Allahu Ya Somadou. Vraiment. C'est un secret très efficace, je vous l'assure. Pratiquez et revenez, m'en dit plus. Bien avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. Alors, chers frères et sœurs, fais ça. Ton mari qui t'a quitté ou ta femme qui t'a quitté vraiment reviendra dans les plus brefs délais. Alors, pour commencer, tu vas faire des écritures. Tu vas écrire toi-même ou bien tu vas donner à quelqu'un qui sait écrire. Ya Allahu Ya Somadou, 222 fois. Et le Katim que nous allons voir vers la fin de la vidéo, une fois. Je répète, Ya Allahu Ya Somadou, 222 fois en Nasi, en eau bénite. Avec le Katim que nous allons voir vers la fin de la vidéo, une fois. Alors, les écritures réunies, vous allez les laver. Vous allez prendre ça pour vous laver. Et vous allez réécrire le katim seul sur un bout de papier et vous allez faire un talisman. Voilà, comme sur l'image actuellement. Ensuite, ce talisman-là, vous allez le mettre sur vous avant de commencer le zikr. Vous allez faire deux rakats la nuit. Vous vous frottez bien avec le nasi. Vous mettez votre nom et celui de la femme au milieu de la case vide. Et vous venez maintenant faire le zikr. Istighfar, salat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vous allez venir zikrer maintenant. Ya Allahu Ya Somadou. Ya Allahu Ya Somadou. Ya Allahu Ya Somadou. 9570 fois pendant 7 jours. Pour ceux qui ont la capacité de zikrer le nombre en une seule nuit, vous pouvez le faire pendant 7 jours. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de zikrer ce gros nombre en une seule nuit, vous allez diviser ce nombre-là en 7. Et le résultat qui va sortir, vous allez zikrer ça pendant 7 jours. J'espère que je me fais comprendre. Voilà, donc c'est ce nombre-là que vous devez zikrer pendant 7 jours. Alors, je rappelle. Les écritures que vous allez faire, vous allez mettre votre nom et celui de votre conjoint au milieu du carré, en nasi comme en talisman. Vous recueillez le nasi, vous faites le talisman bien, vous vous lavez avec le nasi, vous mettez le talisman sur vous, dans vos poches ou bien dans, dans votre habit. Avant de faire le zik. Voilà. Donc, voici actuellement le carré sur vos écrans. Le carré que vous devez utiliser sur vos écrans actuellement. Celui que vous devez faire en nasi et en talisman, Inch'Allah. Pratiquez le secret. D'ici les 7 jours, vous allez voir beaucoup de résultats. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.